Des élèves du sport-études de l'enseignement provincial représenteront les couleurs de la Belgique du 6 au 14 avril prochain au championnat du monde interscolaire de football organisé en Serbie. Je représente l'école, mais c'est aussi un peu représenter la nation, on va dire, hein, puisque c'est quand même une Coupe du Monde. Donc je pense que le plus important, c'est ça. C'est de prendre conscience que c'est une Coupe du Monde et que c'est un événement que tout le monde n'a pas la capacité d'accéder. Quoi. Et hein, qu'est-ce que vous attendez de ce tournoi ? Premièrement, une bonne expérience enrichissante et culturelle et s'améliorer. Ce championnat international est une compétition organisée tous les deux ans dans différents endroits du monde. L'école provinciale y a déjà d'ailleurs participé plusieurs fois, en Chine en 2003, mais aussi en 2005 au Danemark. Nous avons un panel de joueurs qui est assez large avec différents niveaux car nous sommes un foot études. Et par rapport à leurs évaluations, qui sont également les évaluations qui apparaissent dans leur bulletin, nous choisissons les joueurs qui ressortent le mieux et qui ont le plus de qualité footballistique à nos yeux. Nous avons quelques étudiants qui sont à haut niveau pour le moment. Le nom au moins Eliakim Mangala qui est passé ici deux ans dans l'école. Cette équipe de 16 étudiants s'apprête donc cette année à s'envoler pour la Serbie avec pour objectif vivre une nouvelle grande expérience internationale de football, mais aussi peut-être ramener le titre de la victoire.